Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. Yo, Valgerine. Ouais, encore. Bah, comme j'ai juste fait une run sur cette KT pour l'instant, donc j'aimerais bien juste l'améliorer un peu, parce que la run d'hier était dégueu. Ça va tranquille, et toi? Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à plus run du tout ce jeu. Bon, après, il y a plein d'autres runs qui arrivent sur d'autres jeux. C'est glitchless là, c'est en gros c'est le jeu en casu que. En gros, c'est ça. On n'a pas le droit de faire de glitch. Bon, mon temps il est large amélioré parce que comme c'était une première run no reset hier, il y a plein de grosses conneries dedans et tout. Ouais, j'ai pas le droit à tous ces skips là. Ouais, Desert Palace, on le fait en entier là. Ça fait bizarre. Ouais, elle est cool la musique de Desert.
Par contre, en speedrun, il est assez chiant, Disant Palace, quand même. En glitchless. Bon, c'est dans un petit moment quand même, Desert. Il y a tout Hyrule à faire d'abord. Split intermédiaire, je devrais l'enlever ici, il sert à rien. Bon, normalement ça va, je devrais pas me tromper sur la route cette fois-ci. Parce que hier sur ma run, je connaissais pas trop la route encore, du coup je me suis trompé à quelques endroits. Ah, le skip de Ice Rune. Ce beau skip qu'on peut pas faire en glitchless. On doit se taper tout Ice Rune, ça c'est le pire truc de la run. Ouais, les chiens, ils se ruinent. À Turtle, il y a un truc chiant aussi qu'on doit faire en glitchless. Qu'on peut pas faire la bécane skip. Ouais, Spirit Tracks, je le ferai aussi. Ouais. Bon, la run est longue. Oh. Ouais, bah après le problème c'est que comme il n'y a pas une grosse commu sur Spirit Tracks, il n'y a pas énormément de glitches qui ont été trouvés. Ah, Malar. Alors, le fight final est bien parce que déjà il est complètement épique. Et il y a plein de phases pour le. Pour les boss finales, c'est cool.
Celle avec les trains? Genre le genre de. De Morpion. Enfin, de Pac-Man plutôt, pas de Morpion. Bah c'est la plus dure, hein, je trouve. Mais elle est tellement stylée. C'est tellement kiffant. Quand tu prends les larmes de lumière, là, tu vas super vite. Je sais pas si tu sais, mais tu peux aller encore plus vite. Genre, quand t'as les larmes de lumière, si tu si t'appuies sur le sifflet, tu vas hyper vite. Non mais si t'appuies sur le sifflet, tu vas vraiment hyper vite comparé à la vitesse déjà de base que t'as quand t'as une lame de lumière. Genre t'as la caméra qui dézoome et tu traces de ouf. Parce qu'un sifflet, c'est pas fait pour aller vite normalement. Oh. Mais le problème des runs de Spirit Track, c'est qu'elles prennent du temps. Elles redescendent, je crois. Ouais, je suis niqué. Ok, nice. Mais de toute façon, j'ai prévu de run Spirit Tracks. J'ai la version japonaise et tout. Soit on peut avoir les Pegasus Boots avant Yuga, mais il faut faire un damage boost avec une abeille pour pouvoir les avoir.
C'est carrément chiant à faire parce que déjà il faut que quand tu coupes les herbes, t'aies une abeille qui spawn. Et ensuite qu'elle te touche au moment où t'es en train de sauter pour aller de l'autre côté, c'est carrément chaud. C'est trop chiant à faire. Ok, à toutes. Ok, la RNG ça va ici. Parfait. Oh, cette RNG. Non, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit non plus à ça. On est obligé de regarder la cinématique. Ah ouais, c'est le glitches de Between World. Il y a vraiment tous les glitches qui sont interdits. Parce qu'autant, il y a certains jeux où les glitches, bah, t'as encore certains glitches qui sont autorisés. Mais là, t'as vraiment. C'est vraiment tous les glitches qui sont. Le Quick Equip Cancel, on a le droit, mais. Juste Quick Equip Cancel, pas l'utiliser pour faire des damage boost ou des trucs dans le genre. Coucou Farot! Comment ça va? Oh non! Oh non, quel connard! My bad! Mais, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Pourquoi ça a pas fonctionné? J'étais... What the fuck? Ok. C'est nimp. J'ai pas compris. Genre, vraiment, j'ai pas compris. Arnaque, quoi. La première fois, ok, mais la deuxième fois, j'ai pas compris pourquoi ça a pas fonctionné. Faudrait que je regarde. De quoi le sale glitch autorisé? Le quick equip. Bah c'est en fait c'est pas vraiment un glitch, c'est pour ça qu'il est autorisé. Le quick equip cancel c'est quand on. Bah là on l'a pas encore mais c'est ce qui nous permet d'équiper nos armes plus vite sans passer par le menu. Et le cancel, c'est quand on appuie, genre quand on utilise un objet et qu'on appuie avant la fin de l'animation de l'objet, du coup on peut commencer à marcher plus vite. On a juste le droit à ça. Mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire des damage boosts ou des trucs dans le genre. Tellement de temps à cause de cette connerie. Tain, quelle arnaque. Ouais, c'est pas vraiment un bug, c'est un peu des deux. Putain, j'ai trop les boules là. De perdre 20 secondes à cause de ça. Allez, House of Gales. Un donjon chiant. Ouais, en plus en speedrun il est chiant ce donjon. Que ça soit en 90% ou en glitchless, il est chiant.
Bon, ça va, ça, on a le droit, encore heureux. Ah. Je suis tellement fait arnaquer là. Ici c'est chiant parce que je sais pas si on a le droit de faire l'animation cancel ici. Non, trop. Ouais, avoir son skill. Mais il a tellement de skills sur les jeux 3DS, Zer. Surtout sur Between Worlds. Non, il fait pas les. Il run pas les jeux DS. Genre Phantomagoria, Spiritrax, il les run pas, il les aime pas. Ah putain, la mauvaise RNG. Oh. Oh, t'es sérieux? J'en avais mis 6, c'est 6 coups. Oh, d'où? Quelle arnaque. Il m'arrive que des trucs chelous depuis le début de la run. Genre le mec qui se casse alors que je suis derrière lui. Ce truc là. C'est bizarre. Étrange. Oh. J'en ai marre de cette RNG des rats là. Et cassez-vous. Ok, ça allait. Ah, elle est trop stylée la musique de Kimado. What? Ok. Mais les musiques de Spiritrax sont tellement ouf. Oh, j'ai failli faire le.
un peu proche, c'est pas grave. Oh, ça l'a pas touché, rip. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire des trucs. Bah, en fait, quand je suis pas en stream, je pense que c'est à peu près pareil pour tous les runners. De toute façon, quand je suis pas en stream, je fais des meilleurs runs. Parce que tu peux vraiment te focus juste sur. Uniquement sur le. Sur ta run. Mais j'ai jamais fait par contre de PB ou des trucs. Non, j'ai jamais fait record, genre tryhard des PB en off. Pendant les vacances, je le ferai, je pense. Mais sinon, quand je peux stream, je stream. Non, bah en stream, en fait, on lit les commentaires, on parle avec les gens et tout. Du coup, on est plus facilement déconcentré. On fait plus facilement de la merde. Oh, comme là. Ouais, bah on stream de toute façon. On est toujours moins concentré que quand on se focus sur un seul truc. Oh, j'aurais pu dash cancel un peu plus tard. Oh, j'aime pas quand je me fais troll comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce cœur, ça sert à rien. Parce que j'en aurai deux en sortant des caves. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Ah ouais, c'est ça. Ne pas faire le dash slide. Enfin, c'est même pas un dash slide, mais bon. Ça fait bizarre, n'empêche de faire des jeux en casu, en speedrun.
Là, j'avais les deux cœurs ici. Ah. Ah oui, ça devait être embêtant quand même. Bon, t'avais juste à te mettre en peinture sur les murs au pire. Ah, vas-y, please. Je me fais troll. Ouais, du coup, j'ai loupé le cycle à cause de... Trop chiant. C'est avec les Pegasus Boots qu'on sprint. Comme ça, c'est bon, j'ai eu le cœur. C'est un moment. Bah, c'est quand je suis allé surprendre le mec là en me mettant en peinture derrière lui. Bonjour. T'as froid? Mais il est pas censé faire chaud? C'était mauvais. Eh, mais je pourrais peut-être. Ah, bah non. Bah non, parce que c'est 100, je pourrais pas. En vrai, je peux prendre le. Ouais, mais est-ce que c'est rentable de prendre le coffre des 50 rupies? Ouais, non. Ah, il fait hyper mal le marteau. Hein. Oh, non. Oh. C'est bon. Hop, le facet colle. Please, le boss. Please. RNG, SVP. Ah, vas-y. Oh non, la pire RNG au monde. Ah, oh, ce troll. Bordel. Ah non, mais je me fais tellement troll. Ah, putain, c'est dégueulasse.
Ah, putain. En fait, même en glitchless, je perds toujours 30 secondes ici. Même quand il n'y a pas le glitch le plus dur de la run dans... Comment on est ni pour ça. Ah, mais là, franchement, la probabilité pour qu'il me bump avec cet angle... franchement... C'est dégueulasse. Parce qu'il aurait pu me bump... il m'aurait bump avec tous les autres angles, je tombais pas. Hein. Il m'a bump juste avec... Pile avec l'angle qu'il fallait pas. Le seul angle qu'il fallait pas, et ben il m'a bump avec. J'ai au moins plus d'une minute de time save sur Hyrule. C'est chiant. C'est pas une bonne RNG ici. Allons-y. J'ai une mauvaise RNG, je rentre à plus de 3-10 ici. Je perds une seconde et demie d'RNG ici. Oh. C'est ça le quick equip. Ce truc là à droite là. Je suis parti du mauvais côté, j'aurais dû l'emmener vers la droite. Oh, il m'a touché.
pas pourquoi j'ai été aussi long à faire ça. Pas si c'est rentable de dash ici hein. Parce que le dash est lent. Ok, il a pas bonk. C'est RNG le bonk ici. Est-ce qu'il va bonk? Ah, il a bonk. Pas de bol. Allez, RNG s'il vous plaît. Ok, nice. Bon là, c'est des splits où je peux pas gagner forcément beaucoup de temps parce que... ils sont assez opti de base. Je vais essayer. Ah merde, ça a pas marché. C'est là où on va commencer à gagner du temps. Surtout après Thieves, Dark Skull. Après Skull, là, on va commencer à gagner du temps. Tout ce qui est Desert, Swamp, Ice Ruin, Turtle. Par contre, ce troll à Tower of Eras, c'est chiant quoi. Ça a fait perdre 30 secondes.
Allez. Ici, il y a un truc qui est chaud, c'est la mini boss room. C'est assez tendu. Avec peu de vie comme ça, faut pas faire le con. Surtout quand on essaie la fast strat. La fast strat, si tu la foires, t'es dans la merde niveau vie. Merde, je suis trompé de salle. Il y a une bombe qui a explosé, je sais même pas où elle était. Elle devait être out of bounds. Ah mais Wall, qu'il est con. Mongolo. Oh. 20 rubis. Je dis pas non. Attention. Mini boss room. Non, je l'aurais pas en... Quoi? D'où tu me touches? Bon bah du coup, on n'a pas eu... On n'a pas eu le two cycle. De toute façon, le two cycle, c'est chaud. Je l'avais pas eu sur mon PB non plus. Allez. Oh, j'espère qu'elle va pas m'emmerder, elle. Madame, je sers à rien, là. Ok. Oh, viens. C'est marrant de commencer par Thieves en glitchless. Parce que c'est on finit par Thieves en any pourcent. Du coup, je trouve ça cocasse. Voyez-vous? C'est bon. Elle a pas activé le trigger.
Voilà, ne sois pas con, ne tombe pas. C'est bien. Oh, une frame. Je l'ai pas eu. Ah bah. Incroyable du cul. Oh là là, ça passe tellement juste ici. Un jour, je suis sûr de me faire choper, je comprendrai pas pourquoi. Allô, Hans? Oh, ça n'a pas marché. Ah, oh, mais casse-toi, casse-toi. 1, 2, 3, 4. Oh, prends-toi la flèche! Allez, allez. J'espère que je vais avoir une bonne RNG sur le boss. Pas me faire pisser dessus comme d'habitude. Ouais, elle est plus longue celle-là. Bah comme c'est du glitchless, c'est déjà plus long. Toulou, toulou. RNG, 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 RNG. Non, c'est pas un glitch. Oh. Pas de spin, pas de spin. Oh putain, le spin. Quel connard. Quel connard. Oh, mais... oh, oh non. La pire RNG. Et ça fait quand même... Deux fois dans la run. Putain, et... Oh, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai une RNG de merde. Ça fait quand même la deuxième fois dans cette run que le mob me... Que le boss me bump dans le vide. C'était dégueulasse. Ouais, la RNG, je l'encule, hein. Cordialement. Me faire censurer par Twitch. Mais j'en ai ras le cul aussi, mais... Pff, problème, c'est que j'ai vraiment jamais eu aucune chance de ma vie. Dans une run avec les RNG. Mais franchement, c'est tellement frustrant. En plus, il y en a, tu regardes. À chaque run, ils ont des bonnes RNG. C'est vraiment dégueulasse. RNG, s'il te plaît. Ça va. Ok. C'est
C'est quand même le truc le plus frustrant dans des runs, la RNG. Parce que tu peux rien y faire en fait. Surtout sur du glitches, c'est full RNG quoi. Le glitch test a vraiment la moitié de la run qui se fait sur la RNG avec le placement des mobs, la RNG des boss et tout. Oh. Là c'est pareil, quand je parle à la Vio, genre quand je loue un objet, une fois que je l'ai loué, il me fait un truc d'une textbox. Et il y a 10% de chance qu'il me fasse 3 textbox au lieu d'une, ce qui fait perdre du temps. Et bah il vient de le faire deux fois. Sur deux fois je crois, sur 5 objets. Avec 10% de chance. C'est génial. En soi, quand t'as pas de chance avec la RNG, t'as un peu de la chance. Mais c'est de la malchance. Parce que la malchance, c'est de la chance, en fait. J'ai l'impression qu'on entend de ouf mon mashing de boutons. Bah en vrai, genre là, j'ai 10% de chance d'avoir... J'ai 10% de chance d'avoir le... 3 textbox au lieu de une. Alors pour moi c'est de la malchance parce que j'en veux qu'une, mais comme j'ai que 10% de chance de l'avoir, en gros j'ai eu, c'est de la chance de l'avoir eu. C'est kiffant d'entendre les boutons. En fait c'est parce que je suis pas mis comme d'habitude, c'est pour ça. Ah, monte. Pas avoir un bon cycle ici. Ok, j'aurais pu aller jusque lui, mais je préfère pas risquer parce que sinon je me fais niquer comme la dernière fois. Hop. Allons-y. J'aime pas ce passage du labyrinthe. Il est un peu stressant. Bon, Dark. Ce donjon où tout ton split se joue sur le boss. Sur la RNG du boss, pardon. Ici, il y a la RNG aussi des mobs. Parce qu'ils sont dans le noir, on les voit pas. Et ils peuvent nous foncer dessus... On perd, je sais plus, un ou deux cœurs. Je crois que c'est qu'un en fait. À la base, je croyais que c'était deux, mais c'est un. Ici, t'as aussi la RNG du placement des mobs. En fait, tout le long du donjon. Puis comme c'est dans le noir, tu peux pas les éviter, tu les vois pas. Ah, ici c'est trop chiant pour aller chercher. Ici là c'est hyper chiant. Parce que voilà, t'as le fantôme qui vient de me toucher. Ça veut te niquer ton cycle si tu te fais trop toucher. Ah, c'est bon, c'est passé. Ok. De toute façon, en général, mes darks sont bons. Si on retire le boss, mes darks sont presque tout le temps bien.
genre presque parfait à chaque fois. Mais je perds tout sur le boss à chaque fois parce que j'ai toujours une mauvaise RNG. À chaque fois, il tourne alors qu'il faut pas qu'il tourne. Non. Pardon. Voilà. Ok, le petit dash en diagonale qui est passé. Ok. Alors ici, les bombes peuvent dépop. Ah. Ok. Mais je peux pas mettre moins en plus. Ah, il a tourné, voilà. Voilà, c'est ce que je disais, faut pas qu'il tourne. Et il a retourné. Oh putain, bordel. Voilà. Mais. Wad, voilà, j'ai eu. Pire RNG. Il a tourné direct, il a retourné juste après, il a commencé à marcher. Mais vas-y. Voilà pourquoi. Voilà, alors là, il est bien placé. S'il tourne, je suis niqué. Oh, il allait ressouffler. C'était tendu. Bah, je vais encore perdre du temps à cause de la RNG ici. Du coup, je me fais encore niquer comme d'habitude avec ce boss là. C'est tellement frustrant de rien pouvoir faire. Ah, putain. J'ai encore perdu au moins 20 secondes de RNG là. Juste sur le boss. Mais de toute façon, c'est pareil, en 10%, ça me niquait toujours mettant ici le boss. C'est comme Sweet Turtle. Sweet Turtle un peu moins. Enfin, ça dépend. Sweet Turtle et Mass RNG aussi. Hop, on améliore l'épée. C'est pareil, je connais pas encore exactement les dialogues, du coup je spamme trop longtemps à chaque fois dans les dialogues. Ok. Oh, j'ai arrêté trop tôt.
Mais je suis troisième, mais la run est dégueulasse aussi. Et là, de toute façon, elle va être dégueulasse. Bah, en fait, la run d'hier est dégueulasse. Et la RNG, ça passe encore. Et aujourd'hui, je joue mieux, mais la RNG est dégueulasse. Du coup, bah, je perds du temps à cause de la RNG. Du coup, finalement, autant jouer mal et avoir une bonne RNG, plutôt que de jouer bien et avoir une RNG dégueulasse. Parce que résultat, je suis en retard en jouant mieux. C'est la moralité de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est ça. Moralité, jouer mal. Parce qu'en fait, si tu joues bien, bah t'as le karma qui te rattrape et qui te balance une mauvaise RNG. Les trials aussi sont tellement chiants à faire. Ah là, le mob qui vient sur moi. Hop. J'ai fait me faire toucher. Bah ouais, mais je suis obligé. Merci de ne pas venir sur moi, merci. Allez, la partie room, on va voir si on a de la chance. Pour cette salle-là. SVP, SVP, SVP. SVP. Ne viens pas. Vas-y, 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 vas-y. Là, j'ai de la chance. Pour une fois. Eh. Impeccable. Je crois la première fois de la run que j'ai de la chance. Ok. Ok, c'est passé. Bonjour. Ah, mais. Paye tes hitbox, toi. Ah, oh, vas-y, voilà. RNG. Il aurait pu être placé n'importe où ailleurs dans la salle, mais il était placé pile à l'endroit où je passe. Ah, c'est bon, c'est pas tombé.
Ah, mais la main, nique-toi. J'aurais pu tenter. Bon, en vrai, j'aurais pu tenter, ouais. Oh là, je vais un peu loin. Bon. Des bisous. À ce soir si t'es là pour les théories. Ah non. Oh! C'est tellement chaud là. Ouais, bah. Je vais prendre le cœur, j'aurais pu le skip. Ouais, je vais le prendre quand même. Pour le plaisir. Ces donjons-là étaient bien de toute façon sur le PB. Et puis de toute façon, ces donjons-là, en opti, sont pas durs, c'est vraiment full RNG, donc... De toute façon, ouais, j'ai pas... Depuis Thieves, j'ai pas vraiment perdu de temps. Je stagne au même stade. Ok, c'est Desert. Desert, il y a du temps à gagner ici. En vrai, je sais pas ce qui est le plus rentable, si c'est passer là ou passer de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû aller en bas. C'est pas grave. Faudrait que je route. Enfin, faudrait que je time pour voir la route la plus rapide. Que je tombe. Où est-ce que j'étais tombé dans le PB? Bon, il était sur mon passage, c'est pas grave, ça va pas perdre beaucoup de temps. Juste pas tombé, voilà. Allez, c'est parti. Avec la musique cool.
Ok. Ne pas tomber ici. Ne pas tomber SVP. Voilà. Incroyable. Ah vas-y, en fait quand il saute, on ne peut pas le toucher. Du coup on se fait niquer. J'aurais dû utiliser ma baguette. Hop. Ah. Pourquoi j'ai dash? En plus, il m'a. J'aurais été hyper long à dash cancel. Bon, c'est pas grave. C'est la première erreur. J'aurais pas dû prendre les cœurs, c'était pas important. Oh. Salut Cadence, merci pour le follow. Comment ça va? Pas de cœur, c'est pas grave. Non, pourquoi j'ai fait ça? Le réflexe. En vrai, je peux y aller au cac comme ça passe. Ok. Bon, c'était pas la meilleure chose à faire, ce que je viens de faire. Ah, j'aurais pu opti, mais c'est pas grave.
Non, je speedrun déjà Lenny pour ça. Là, j'ai juste. Hop. Je fais juste du glitchless. Je viens de commencer le glitchless juste pour. Histoire de changer de KT un peu. Ok. C'est passé tranquille. Sinon, ouais, je run Lenny pour cent principalement. Là, ouais, le glitchless, c'est ma deuxième run que je fais. Bon, je vais pas le faire longtemps parce que c'est pas la catégorie que je préfère. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça va, niveau rubis, je suis large pour après. Ah. Oh, il s'est remis. Quelle arnaque. Bon, si je fais pas de conneries, si je meurs pas sur le boss. Parce que le boss est assez RNG quand même. Ouais, c'est rentable de faire l'épée niveau 1. Comme comment les minerais sont sur le chemin à peu près, ça fait pas un gros détour. Et par rapport au gain de temps que ça nous fait pour tuer les ennemis, c'est plus rentable. Rien que par rapport à Yuganon, c'est plus rentable. Parce que Yuganon, on le tue carrément plus vite du coup. Oh non, t'es sérieux? Oh ça, je déteste quand ça fait ça. Ah voilà, c'est insupportable quand ça fait ça. J'ai perdu du temps du coup. Oh. Ah vas-y, ouais. Arnaque. Ah ben ça me le refait mais c'est pas possible, c'est insupportable. C'est trop chiant parce que c'est. C'est la baguette qui prend pas. Qui prend mal. Oh, c'est con, c'était bien pour l'instant. Le split était bien jusque-là. Allez, le boss. On va voir si on va se faire troll ou pas. On peut se faire troll par les petits trucs qu'il lance, les petits projectiles qu'il lance. Ah, genre. Oh, oh, la cinématique a fait bugger le truc. Ah, ça c'est trop chiant par contre.
Ça, c'est hyper chiant quand la cinématique fait bugger. Ok, ça passe. Je me suis un peu fait troll au milieu du fight, mais à la fin, ça va. Bon swamp. Prions pour que les mobs n'explosent pas la bombe. Prions. Ah, le crash. Faites que les mobs ne viennent pas exploser la bombe. Ah, vas-y. Et ça, c'est insupportable. Oh, c'est chiant, ça. J'ai perdu mon éclat, du coup, en faisant ça. Hop, c'est parti. Ok. Ouais, j'étais pas obligé de le faire, ça, c'est pas grave. Ok, à plus, et merci pour le follow. J'aurais dû prendre le cœur, c'est pas grave. Ah, oh, merde, j'allais faire. Ne pas faire les glitches, surtout. Oh non! Oh non, alors ça... Vraiment, genre... Oh non, mais... Genre, really? Oh là 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 là, coup dur. Ah bah bien sûr. Monte, j'aimerais bien que tu montes, voilà. Non. Oh, first try. Incroyable du cul.
Allez. C'est pas grave, pas de cœur, le jeu est radin. Sûr. OK. Va pas en haut. Putain, il est allé en haut. Mais quel connard. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Ça, c'est bon. Juste viens pas. Voilà. Reste là-bas. Reste où t'es. Ah oh, mais le joystick il veut pas se mettre. Attention ici ne pas se foirer dans cette salle. Si tu perds 2 minutes sur mon PB ici. Ah bah, notamment à cause de lui là. Bien sûr. Allons-y.
Ah. Impeccable. La deuxième phase était parfaite. La première était dégueu, mais la deuxième était parfaite. Ice. Ice ruins incoming. Voilà. 2018 et j'ai encore du temps à save en plus ici. Mais c'est déjà un meilleur split. J'aurais dû laisser mon hookshot. À chaque fois j'équipe ma fire rod, mais c'est en nini pour cent la fire rod. Franchement, je sais pas si on peut passer en un cycle ici. Ça, c'était nice au moins. Ça, c'était moins nice. Faudrait que je fasse la strat avec la tornado rod ici. Ça fait gagner une demi-seconde.
parti. Ice Ruin, le pire donjon de la run. Ah, j'aime pas le passage après. Ah, voilà, j'aime pas. Voilà. Ah! Je fais niquer par les pingouins à chaque fois. Alors, il me loot pas de cœur cette fois-ci. Oh non! T'es sérieux? Oh, nique-toi. Oh, c'est chiant. Peut-être pas dû prendre ce risque. Ce que je dis, j'aurais peut-être pas dû prendre ce risque. Je
Ah, mais... Ça marche jamais, ça. Je vais prendre les cœurs ici, parce que voilà. En vrai, j'étais pas obligé de les prendre parce que je vais repasser. Bon, c'est pas grave. Je vais repasser dans la salle des fées, donc je vais passer prendre une fée. Oh. À quel moment ça revient, ça? Quoi? Mais... Putain, non mais... Putain, vas-y, non mais ça c'est honteux. Putain... À quel moment le truc il se déplace jusque-là? Ah, c'est trop chiant. On peut pas... je peux vraiment pas être tranquille, hein. Je vais à tout prix me faire chier. Et concentration pour ce boss. Oh, mais il me touche d'où? Ok. Le dernier, c'est bon. Me suis encore bien fait troll dans ce donjon. Oh non, t'es sérieux? T'es sérieux, putain? Oh non, putain, ça me casse les couilles, ce jeu de merde. Ah non, mais en plus, il me touche. Genre, bien sûr. Chiant.
Normalement, c'est du 3 phases, mais c'est du 3 cycles, mais bon. Là, 30 secondes en plus à cause de RNG, c'est génial. Vraiment une qualité de merde, ça. Bon, espérons qu'à ce stade, je vais pas faire troll encore. Alors ici les mobs SVP. Oui. Ah bien sûr. Tout à fait. Ok, c'est parti. Oh putain, mais chope là cette clé. Bien sûr. Alors, comment se prendre 4 cœurs de nulle part? Genre, d'accord. Attention, l'instant RNG. Voilà, l'instant RNG, c'est génial. Claque ta race, toi.
Non! Mais non, mais putain! Et j'en ai marre de ce donjon de merde. À chaque fois. À chaque putain de fois. Exactement. Je déteste ce trick de merde là. Vraiment. C'est extrêmement chiant. Voilà, aucun time save, c'est génial. Alors c'est bien de... Ah non, ce donjon vraiment... Ça va pas. RNG, please. Non, non, non. Oh, j'ai appuyé. What the fuck? Je pouvais pas utiliser, j'appuyais sur mes boutons, ça faisait rien. Ok. Bon, le fight était pas dégueu, même si j'ai pas eu une bonne RNG. Il y a la cutscene ici. Ah mais non, tu viens d'arriver, c'est fini là. Non, en plus j'ai une RNG dégueulasse depuis le début, je croyais que t'étais là. On aurait dit que t'étais là, hein, tellement la RNG était dégueulasse. Ah non, bah monte les escaliers, Link. Cette musique est belle. Il y avait ton âme qui traînait dans le coin. Oh, il reste les trials. Les trials, c'est horrible.
Surtout, il y en a un, il est tranquille. Celui-là, ça va... c'est les deux premiers qui sont les plus chiants en vrai. En vrai, ouais. En vrai, ouais, les deux premiers sont les plus chiants. Le troisième est le plus sympa. Et le dernier, ça passe. Ouais, j'ai gold d'une minute à Turtle. Pourtant, le split était dégueu aussi. J'ai encore au moins une minute d'improve. Oh, vas-y, niqué. Niqué. Voilà. C'est marrant que j'ai pas encore eu le foie de monstre là. D'habitude, c'est le truc qu'on a en premier, même en est pour ça. Bon, le premier, c'est le plus... Non, c'est pas le plus chiant. Le plus chiant, c'est le deuxième. Hashtag teubé. Le mob m'a traversé la conjonctivite. Ah mais oui, en plus c'est... Ouais voilà, c'est celui-là. Ah non mais... Mais... Quand je te dis de frapper, qu'il est con. Je perds toujours 36 000 vues, 36 000 cœurs ici, hein, à chaque fois. J'ai failli choir. Ah non mais casse-toi, con de con. Oh, tu pues la main là. Oh non! Voilà. J'allais dire reviens, gamin. Non, mais ne chope pas ça! Mais qu'il est con! Mais teubé sur 20! Mais. Quel stupide garçon.
que ce Link. Ok. Oh, nique ta race. Claque ta race. Mais quelle salope. Mais cassez-vous! C'est pas la PGW! Alors là, vraiment. Claque ta race, hein. Mais cassez-vous, mes bandes de teubés. Oh, c'est pas possible. Voilà, voilà, voilà. Ouvre le coffre, non, c'est trop demandé d'appuyer sur A. Apparemment, c'est trop demandé d'appuyer sur A pour le joueur français. J'ai appuyé sur A, mais ça n'ouvre pas le coffre. Elle m'a chopé pendant la putain de cinématique. C'est-à-dire que j'étais là comme ça et puis elle m'a chopé alors que je ne pouvais rien faire. Genre, il y avait la cinématique, j'ouvre la clé, j'ouvre la porte avec la clé. Et il y a la main qui a pop, qui est venue pendant la cinématique comme ça, tranquille. Oh, quelle personne malhonnête. D'accord, merci. Alors, ça serait pas trop demandé de choper. Voilà. Non mais... Oh putain mais... Arrête, tu n'amuses personne. Mais tu n'amuses personne, regarde, est-ce qu'on rit? Non, on rigole. Bah non. Alors, bien sûr, alors... Mais je vais perdre 36 heures à cause de ce trial. Ah mais casse les glands. Hein. Vraiment niquez-vous là. Cordialement, la direction. Non, mais pourquoi tu tires une flèche, mon golo? D'accord. Hitbox de merde. Allez, on y va. Nous partons. Non. En guerre. Bonjour. Ce qui est bien, c'est que le jeu, en général, me pisse dessus et ne me donne pas de cœur. Ce qui est incroyable de ne pas donner de cœur, c'est génial. Sinon que ça fait rire tout le monde. On voit le public, là, en liesse. Oh, c'est génial. Oh là là. Ah, mais si je meurs ici, niquez-vous. Hein. Où es-tu? Oh, chais! Et bim! Je te déglingue! Un V1 garde du Nord. C'était un carré sans règle. Enfin, c'est un rectangle. C'est un rectangle à... c'est un rectangle à longueur variable sans règle. Voilà. C'était un rectangle à longueur variable sans règle. C'est bien comme nom.
bonjour. Ah, ah. Ah bah, c'était très rentable, ça. Non, bah non, non. Je ne connais pas ma route. Je ne connais pas ma route. Bonjour. Bonjour par-ci, bonjour par-là. Bah, bien sûr. Voilà, je me tourne exprès pour elle et le remerciement, elle me claque à la gueule. C'est dalle de nos jours, hein, je vous jure. Aucun respect. Est-ce que j'ai besoin? C'est dingue, incroyable du cul. Par contre, maniez-vous le cul, merci. Non, non. Merci. Mais bah. Bah. Oh bah bien sûr. Ça c'est amusant. Ouais, bah laissez-moi. Oh, les connards. Ah, bah, hé. Mais les cœurs, mais niquez-vous, mais donnez des cœurs, bande de chiens. C'est pas grave. Nous ne jugerons pas. C'est bon, attention, je fais le fifou, j'y vais comme ça. Nick.
Ah, j'ai pas une bonne RNG, j'ai eu deux fois les fireballs. Allez, allez, tais-toi, Zelda, on s'en fout de ce que tu dis. Ok, merci pour le host, Flora. Ok, il se passe un truc chelou là, ça l'a pas hit, c'est pas grave. Le jeu me pisse dessus jusqu'à la fin. Putain, ce temps de merde! Encore une run de merde, c'est trop chiant. Genre vraiment. C'est encore une run pourrie. C'est trop chiant. Mais j'ai dû perdre au moins 4 minutes à cause de la RNG. Facile. Tra, c'est pourri ce temps là. C'est même pas un sub de 25. C'est de la merde. C'est nul. Nick Zelda. En plus, à cause de cette connerie de balle qui a touché Link, là, j'ai perdu, j'ai pas gold. C'est nul, c'est pourri. Ah, 2,27-25, dégueulasse. Peut-être qu'un jour, dans une run, j'aurai une bonne RNG. Peut-être. Ouais, c'est PB, mais dégueulasse. Genre, c'est une run dégueulasse encore. Genre, j'ai PB que de 3 minutes alors que j'avais des time save partout. Bon, c'est à nouveau une vidéo de 2h30 qui va mettre 3h à upload sur YouTube.
Bon, après, ça, c'est la deuxième run. Genre, c'est la deuxième run que je finis sur cette KT. Je suis deuxième au leaderboard. Donc, ça passe. Mais, c'est dégueulasse. J'ai quoi, plus 4 minutes sur le world record. Et franchement, les 4 minutes, là, sans la RNG, avec une bonne RNG partout, ça passait. Heureux, ouais. Je la runnerai pas longtemps, cette KT, c'est de la dub. J'ai pas... Non, j'ai pas envie d'en refaire une. C'est pour rager encore pendant 2h30, non. Non! De toute façon, ce soir, il y a la soirée théorie. Alors, j'ai dit quoi comme phrase cordialement? Vas-y, tu les fileras. Tu les passeras. On fera un best-of. T'aurais dû clipper. On aurait pu faire un best-of de... un best-of rage. Avec tous les moments de rage. Ah! Tu n'avises personne. Non, j'ai dit ça, ce qui est génial et peu amusant. Un rectangle à longueur variable, c'était la meilleure celle-là. Je fais pas des octogones. Un rectangle à longueur variable sans règle, moi je fais. Attention, je F. Mais c'était... Je suis désolé, c'est un rectangle à longueur variable sans règle. Je sais pas quand je vais... Genre vers 21h, je pense, je restreamerai pour les théories. C'est la meilleure phrase du... C'est la meilleure phrase du stream. On a fait... Vas-y, je te défie. Rectangle à longueur variable sans règle. Paf, qu'est-ce que tu vas faire? Et bim. Tranquille. Ça marche avec tout. Mais le rectangle à longueur variable, c'est bien. Parce qu'il est variable, donc tout peut arriver. Hein. Ouais, donc c'est clairement Swamp hein, où j'avais perdu plein de temps. Et Desert aussi. Voilà. Cœur sur le rectangle à longueur variable sans règle. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai oublié. Laissons la fin de cette cinématique pour la VOD. Oh, ça fait chier, je vais devoir re-upload encore une vidéo de 2h30. Activer les notifications. D'accord. Autorisé. Est-ce qu'on peut...